Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Olena Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage général et sentimental pour le mois de mars 2022 pour le signe B. Allez, on y va, c'est parti. Monkey King, il m'en faut un s'il vous plaît, merci. Alors c'est pour qui? C'est pour qui? Pour mes amis cancer. Je ne sais pas si vous voyez en fait. Si là, vous voyez. Allez, c'est à vous mes amis cancer. Donc mes amis cancer, votre tirage général se fera comme d'habitude avec Monsieur le jeu 32, tirage à 15 cartes. Ça, c'est fait. Votre tirage sentimental, tirage du destin avec Monsieur l'oracle des miroirs. Un complément avec Monsieur l'oracle de la Sibylle. Un tirage à 3 cartes, complément pour le sentimental. Et on terminera avec Monsieur Papus. Un tirage à 3 cartes pour un complément d'information. Allez, tout simplement. Allez, zou. Oh, j'ai une dame de pique. Peut-être une maman qui peut-être n'est plus sur cette terre. Hein. Vous avez peut-être votre maman, mes amis cancer, qui n'est plus sur cette terre. Elle vous protège. D'accord? Donc ça, c'est bon. Sinon, vous allez avoir des nouvelles de votre maman. Ou alors, c'est vous, mes amis cancer, que vous soyez, homme cancer ou femme cancer à partir de la cinquantaine. Oui, bien. Allez, on regarde. Ah ben, dites donc, nous avons la dame de cœur, on a la dame de pique, et là, on a la dame de cœur. Donc, peut-être d'un côté, des nouvelles d'une fille, d'une meilleure amie ou d'une sœur, et de l'autre côté aussi, peut-être des nouvelles d'une maman ou d'une grand-mère ou d'une personne plus âgée. Si ce n'est pas le cas, vous avez la protection de votre maman. Dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles de votre fille, votre meilleure amie ou votre sœur pour ce mois de mars 2022. Allez-y, c'est parti, mon kiki. Monsieur le jeu de 32 pour ce mois. Waouh, waouh, waouh. Alors, mes amis cancer, on nous parle de joie, de bonheur, en tous les cas, avec un homme. Ou avec une femme, vous inversez. Peut-être que cet homme un petit peu immature, cette femme également, peut-être, pourquoi pas. Mais en tous les cas, peut-être que cet homme ou cette femme est plus jeune que vous, en âge, soit légèrement plus âgé ou le même âge que vous. Mais cet homme ou cette femme, si c'est dans le domaine sentimental, vous annonce que c'est une personne immature, alors qui prend peut-être son temps dans les sentiments de son engagement envers vous. Mais en tous les cas, là, il y a de la joie, il y a du bonheur hein, avec cet homme ou cette femme dans le domaine sentimental. Sinon, vous pouvez avoir des nouvelles d'un homme qui vous apporte des bonnes nouvelles pour ce mois de mars. Alors, homme, c'est là, c'est vrai qu'on n'a pas de roi de pique. Enfin, j'aurais pu regarder derrière, c'est vrai que je n'ai pas regardé. Mais en tous les cas, vous mettez vraiment tout homme. Hein. Ça peut être concernant une procédure, un avocat, un notaire, voilà. Allez, go, c'est parti. Ça peut être un agent immobilier, etc., etc. On va voir si à la coupe, ça ressort. Si elle ressort, cette coupe, pour vous. Mes amis cancer, allez-y, c'est parti. Oups. Hop. 3, 3, 6. J'ai mes 6 cartes. En bas, j'ai mes 6 cartes. En haut... On voit ou pas? Hop, hop, hop. C'est bon? Yes. Allez. Oh, on nous parle de 10 de trèfle. Hein. Donc là, le 10 de trèfle, c'est tout ce qui est argent. C'est la carte de l'abondance. Donc, mes amis cancer, si vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, je crois que c'était pour le dernier signe que j'ai fait, je crois que c'était le 10 de trèfle aussi qui était ressorti. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose de magnifique dans le domaine financier, là, hein, dans le domaine de l'argent. Alors, ça peut être prêt immobilier, peut-être par rapport à un héritage, etc., etc. Bon, bah, écoutez, on va regarder ça. On nous parle de voyage, c'est peut-être concernant un déménagement. En tous les cas, on nous parle de changement, de joie. On nous parle de petite contrariété, mais c'est pas, regardez, c'est pas méchant, la contrariété. Elle est, cette carte de 7 de carreau à l'envers, elle est entourée de ce 8 de cœur et de ce 9 de cœur. Donc, il y a des petites contrariétés. Alors, peut-être suite à un déménagement, peut-être que vous attendez une somme d'argent qui va vous apporter du changement. Donc là, on nous parle de bonnes nouvelles. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu, des nouvelles concernant cet homme. Mais attention, hein, on a un homme, là, faites attention. Soit c'est un homme ou une femme qui a des mauvaises fréquentations, ou c'est un homme ou une femme pas facile. Hein. Ou non, ça serait plutôt cet homme et peut-être une fille, une meilleure amie ou une sœur qui est proche de lui. Hein, ouais, aïe, 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 attention. Donc là, j'avais pas de pic, je vérifie. Non, donc on s'arrête au pic. Donc là, faites attention. Hein. Vous allez peut-être faire la rencontre d'un homme. Alors, c'est peut-être ça aussi. J'avais sorti la dame de pique. Alors, ça peut vous représenter, vous, mesdames cancer ou vous, messieurs cancer, à partir d'un certain âge, à partir de la cinquantaine. Peut-être que vous allez faire la rencontre d'un homme ou d'une femme plus jeune que vous. Mais cet homme ou cette femme, qui est soit plus jeune que vous ou un peu ce côté immature, a une fille, une meilleure amie ou une sœur qui n'appréciera pas votre relation. Ah ah. Bon, en tous les cas, regardez-moi ça si c'est pas beau. Vous allez devoir vous déplacer. Il y a un visuel, il y a un face-à-face. Quelque chose de nouveau, quelque chose de,
un nouveau départ dans votre vie. Ça peut être des bonnes nouvelles concernant un courrier administratif, des nouvelles en tous les cas par écrit ou par téléphone en tous les cas. Il va y avoir un visuel, ça va vous amener face à ce visuel, ce face-à-face, un renouveau, un nouveau départ. Ça peut être des nouvelles d'un ex, hein. Vous allez vous revoir suite à un coup de fil, suite à un écrit. Si ce n'est pas dans le domaine santé, alors ça peut être aussi une nouvelle relation, hein. Ça peut nous parler de grossesse aussi. Vous pouvez apprendre une grossesse, ça peut être la vôtre, bien sûr. Bien évidemment, à condition que vous soyez en âge d'avoir un bébé et que vous le désirez, bien évidemment. Mais en tous les cas, là, il y a vraiment quelque chose. On a trois cartes positives, hein, l'as de carreau, le 7 de cœur, le 7 de trèfle. Il y a des bonnes nouvelles et ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases avec ce 7 de cœur. Bon, eh ben, bon, d'accord. Bon, on a bien une femme pas bonne, hein. Alors, est-ce que c'est cette dame de cœur? Oui, dans le dos de deck, on avait la dame de cœur tout à l'heure, donc elle est tombée. Généralement, quand une carte tombe, il faut vraiment la prendre en compte. Donc là, elle était toute seule. Donc faites attention quand même, parce que j'ai quand même cette dame de carreau qui nous parle de blocage et on nous parle de retard de contretemps. Donc là, vous avez vraiment les deux cartes qui sont l'une à côté de l'autre. Concernant avec cette dame de carreau, on va voir dans la continuité. Mais là, on voit qu'il y a une femme qui bloque. Hein. Donc, il y a de la jalousie dans l'air. Hein. Et la jalousie vis-à-vis de cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer. Et vous voyez, juste derrière cet homme ou cette femme que vous venez dans le domaine sentimental rencontrer, ou que vous allez rencontrer, il y a une jeune femme brune là. Hein. Et on nous parle aussi de retard concernant des papiers administratifs pour cet homme ou pour cette femme. Peut-être que justement, il est bloqué concernant tout ce qui est papier administratif. Est-ce que c'est cette femme? Est-ce que c'est une ex? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est une sœur qui essaye de le bloquer par rapport à vous, par rapport à lui ou par rapport à elle? D'accord? On nous parle de des choses très rapides avec ce 10 de pique. On est dans la continuité avec un roi de carreau, un 9 de trèfle, un 8 de carreau. Donc là, on vous dirait, pour vous, mes amis Cancer, que là, peut-être, il y a un projet de vous installer, peut-être une envie de déménager et de vous mettre à votre compte, pourquoi pas à l'étranger aussi, c'est fort possible, parce qu'on parle bien de nouveaux départs. Ça peut être aussi lié à une mutation, hein, quand un roi de carreau est associé à un 9 de trèfle, ça peut nous parler de mutation. Et vous allez devoir vous déplacer, peut-être suite par rapport à des entretiens, tout simplement. Déplacement aussi concernant des logements, vous allez visiter, concernant des projets. Projet vous mettre, pourquoi pas propriétaire, hein, peut-être suite à cette somme d'argent par rapport à un prêt immobilier. Mais on nous parle aussi, pourquoi pas vous rapprocher soit d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère, si ce n'est pas le cas concernant ce déménagement, ce changement de vie, pour vous rapprocher d'un membre de votre famille, un fils, un frère ou un meilleur ami, ça peut le concerner lui. Hein, peut-être que vous avez un fils, un meilleur ami ou un frère qui a l'intention d'un projet de s'acheter une maison et pourvoir s'installer et y travailler là-bas. En tous les cas, il y a des bonnes nouvelles là, dans le domaine, on va dire, familial, dans le côté, on va dire, masculin. Vous concernant aussi dans le domaine sentimental et par rapport à tout ce qui est nouveau départ, concernant le financier aussi. Mais par contre, là, cette lignée-là est très intéressante dans le côté, on va dire, je ne veux pas dire négatif à 100%, c'est juste qu'on a, par rapport à votre partenaire masculin ou féminin, on vous dit de faire attention à une femme autour de cette personne. Ou ça peut être aussi de vous. Mais ça bloquerait par rapport à des papiers, ça peut être aussi une jeune adolescente, sa fille, sa meilleure amie. En tous les cas, il y a vraiment quelqu'un qui est proche de lui. Alors, ce roi de cœur, ça peut aussi être représentatif de votre papa. Est-ce que votre papa a refait sa vie? Je ne sais pas. En tous les cas, il est accompagné d'une femme pas bonne autour de lui. D'accord? Ou alors, vous avez aussi de votre papa une sœur, hein, qui est peut-être brune, qui est un peu trop collée à votre goût, à votre père, hein, également. Si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il vous protège, hein, de tout ce petit schmilblick-là qu'on essaye de vous bloquer. On va faire les associations de cartes. J'ai que deux as, j'en veux pas. J'ai que deux rois, j'en veux pas. J'ai qu'une dame, j'ai qu'un valet, j'en veux pas. J'ai quoi d'autre? Tac, 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 tac. En 10, j'en ai que 2. Celui-là, je ne le compte pas. En 9, j'en ai 1, 2, 3. Oui, c'est ça, j'ai 3, 9. 3, 9, c'est petite réussite, petit profit. 4, 9, 3, 9, la synonyme, c'est l'argent. On a bien l'argent qui est en dos de deck là. Ça va arriver, tant mieux. En 8, j'en ai que 2. En 7, j'en ai que 2. Hein. Si je ne me suis pas plantée, de toute façon, vous me direz dans les commentaires. Bon, on va recouvrir cette dame de carreau. Je vais recouvrir quand même le 8 de trèfle. Je ne sais pas pourquoi je dis 8 de pique. Ouais, c'est par rapport à la justice. Peut-être que vous allez faire la rencontre d'un homme ou d'une femme qui a des soucis, peut-être par rapport à une garde, par rapport à un enfant. Il y a de la justice. Ou alors, c'est son enfant qui a des problèmes de justice. Hein, d'accord? On nous parle d'une dame de carreau. Ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère, ça peut être la maman de cet homme ou de cette femme. En tous les cas, il y a bien une femme pas bonne qui n'en a pas. Bon. On va faire le sentimental.
Allez, mes amis cancer, pour vous, pour ce mois de mars 2022, pour le cancer, pour le sentimental. Oh, une situation qui prend fin et vous avez la victoire. Donc là, s'il y avait quelque chose qui vous tracassait, ça prend fin à votre avantage. Victoire. Hein. Concernant un contrat, il y a de la signature. Vous signez, hein, d'accord? Il y a une signature là qui va se faire. Hein. Il y a un accord. Tant mieux. Allez, 13 cartes. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh bien, on ressort la victoire, hein, mais c'est fou ça. C'est pas possible. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Hop. C'est bon là? Yes. Allez-y, victoire. Waouh, je vais pas plus loin. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Victoire en amour. Et hop, 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 hop. Eh, projet, dominant ou projet. Je vous fais la petite histoire et après on décortique. Hein. Projet, mais vous avez le choix. Hein. Il y a des choix là qui vont se mettre, que vous allez devoir faire. On nous parle en tous les cas, regardez-moi ça si c'est pas beau. Alors si j'ai des cartes négatives là, envolé. Hein. Envolé, c'est pesé. On nous parle de la femme, donc soit votre compagnon, soit votre futur compagnon, soit votre future compagne, ou votre compagne, votre compagnon, ou c'est vous, hein, tout simplement. On nous parle de quelque chose qui pourrait vous revenir en pleine figure. Il y a une histoire du passé là. Hein. On nous parle de prendre la parole. Est-ce qu'il y aurait un ex qui viendrait un petit peu mettre la zizanie? On nous parle de lointain, de l'étranger. On avait ce roi de carreau. On nous parle de tranquillité. Vous allez être bien. Hein. Vous partez là avec cet homme ou cette femme. On nous parle d'instabilité. On nous parle de famille. C'est la famille qui tracasse. Vous allez devoir prendre la parole par rapport à la famille, je pense. Il y a le cadeau. Et regardez, et vous avez un magnifique jeu. Hein. Vous avez la carte de l'ouverture, le cadeau, la carte de la fécondité, la carte de la tranquillité. Eh, j'avais pas vu celle-là. La joie. Magnifique. Vous avez ce miroir magique hein, qui enlève tout ce côté négatif. Alors, je n'ai aucune carte de négatif, sauf la carte de l'instabilité. L'instabilité, c'est par rapport à une situation mais qui serait d'ordre familial. Et suite, peut-être, parce que vous allez devoir partir. Alors, soit partir ou il va y avoir vraiment un grand changement dans votre vie. On avait vu quand même ce roi de carreau pour vous, mes amis cancers. Donc là, je décortique. Mes amis cancers célibataires, il y aura une belle rencontre. On vous annonce la victoire, surtout en amour. Hein. Là, c'est, je ne peux pas mieux faire. Je vais décaler pour que vous voyez mieux. Vous voyez, l'amour est là. Hein. Donc, il y a une belle rencontre que vous allez faire, mes amis cancers. Il y aura des projets qui vont se faire quand même rapidement, mais vous avez quand même ce choix de prendre votre temps. Chose qui est normale, il faut toujours prendre son temps. Vous avez ce miroir magique. Ça veut dire que ce miroir magique enlève tout ce qu'il y a de négatif. Il n'y a rien de négatif, juste mis à part cette carte d'instabilité. Mais là, si on est dans la continuité, l'instabilité serait par rapport à la famille. Donc, peut-être qu'ils sont inquiets parce que peut-être que cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer peut-être loin, peut-être à des origines étrangères, etc., etc. Il n'y a pas de problématique, d'accord? On vous dit bien que là, il y a une situation, mes amis célibataires, concernant hein, quelque chose du passé. Alors, est-ce que c'est une personne que vous avez déjà connue du passé, mais sans avoir de relation? Pourquoi pas? Mais là, on vous dit bien, peut-être que cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer, peut-être a... peut-être que vous avez été à l'école avec vous, peut-être qu'il a été à la même école. Voilà, il y a ou elle a été à la même école. Hein, vous inversez côté féminin, bien sûr. Donc là, il y a vraiment quelque chose, une situation du passé par rapport à cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer. Mais pas négatif, hein, d'accord? On nous parle que vous allez devoir prendre la parole. Prendre la parole sur quoi? Par rapport à tout ce qui est en rapport avec l'étranger. D'accord? Donc on vous dit bien qu'une fois que vous avez pris la parole, vous serez tranquille. Donc là, il y a peut-être une situation où vous allez devoir vous imposer. Alors est-ce que c'est avec la personne que vous venez de que vous allez rencontrer qui est peut-être loin de vous? Donc là, c'est pour ça que je vous dis, vous allez beaucoup discuter, vous allez devoir prendre la parole par rapport à ça. Une fois que vous avez pris la parole, vous serez tranquille. Mais il y a quand même cette carte d'instabilité. Et on nous parle, je vais la recouvrir la carte de l'instabilité. On vous demande, là, c'est par rapport à la famille. Donc, peut-être que la famille vous rend instable parce qu'il se tracasse par rapport à vous. Mais on vous dit que cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer, c'est perçu comme un cadeau du ciel. Et on vous dit que vous avez une très belle ouverture et ça se finit vraiment par la joie, la victoire. Pff, que demander de mieux? Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on nous parle de fécondité, de projets qui vont aller très très vite. Alors, c'est peut-être ça aussi qui vous rend instable parce que la famille va avoir peur, tout simplement. On a ce choix, le choix de prendre votre temps ou d'accepter tous ces projets
alors de se mettre en couple, de se marier, enfin pas de se mettre en couple, mais de se mettre ensemble, vous engager, hein, signer, acter, etc. Donc ça, c'est OK pour vous. Mais on vous demande à un moment donné de prendre la parole. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer a peut-être un désir de partir à l'étranger, d'habiter à l'étranger ? Vous pesez le pour, vous pesez le pour ou le contre, pourquoi pas ? Ou alors cette personne-là, il y a de la distance entre vous, il vous dit de venir la rejoindre, etc. etc. Mais on vous dit que cet homme ou cette femme, il y a la réussite, il y a de la joie, il y a une très belle ouverture. Peut-être vous l'avez déjà rencontré, peut-être c'est peut-être un ami du passé ou je ne sais pas. Il y a un rapport avec votre passé, là, cet homme ou cette femme. Hein. Mais en tous les cas, on nous parle de victoire. Il y a de l'instabilité vis-à-vis de votre famille, mais qui n'a pas trop d'importance là pour l'instant. C'est juste de l'inquiétude. Hein. Après, vous serez tranquille et puis il y a de la joie, puis il y a ce miroir magique. Donc, je ne devrais même pas la recouvrir. Pour moi, je ne la recouvrerai pas parce que... Oh, quoique, si, je vais la recouvrir. Parce que j'ai déjà la recouvrir. Je vais la recouvrir. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de... qui sont en couple, pardon. On nous parle bien de fécondité. Donc, il y a bien projet. Il y a bien un projet, mais vous hésitez. Vous avez le choix de dire oui ou de dire non. Alors, peut-être qu'en tous les cas, votre réponse, quoi qu'il arrive, vous serez protégé. Même si c'est un projet, ce projet sera bénéfique. Ça sera perçu comme un cadeau du ciel. Mais on voit que la famille est instable. Hein. Ils sont peut-être pas trop chauds patates. Est-ce que c'est une envie de partir à l'étranger, de partir, je ne sais pas. Vous allez devoir prendre la parole avec votre mari, votre femme, pour pouvoir discuter. Alors, c'est peut-être quelque chose qui date du passé. Peut-être votre mari ou votre femme, mes amis cancer, voulaient depuis X temps, depuis un moment, de déménager ou revenir là où il a vécu, là où il a pu naître, je ne sais pas, dans sa ville natale. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de positif. Il n'y a rien de négatif, il y a juste cette carte d'instabilité vis-à-vis de votre famille. Ils ont peut-être peur que ça ne marche pas, mais en tous les cas, on nous parle de victoire. Et puis, on a ce miroir magique, cette belle carte d'ouverture. On vous avait tout, quoi. Vous êtes cette carte de joie, etc., etc. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer, alors, on voit bien que vous avez vraiment des cartes positives concernant votre divorce. Donc là, on vous dit bien que là, si vous avez un projet, vos projets que vous voulez mettre en place, si c'est par rapport à ce divorce, vous pouvez le faire. On voit qu'il y a de l'hésitation, il y a ce choix, soit de dire oui, soit de dire non. Hein. Mais en tous les cas, vous allez devoir prendre la parole. Est-ce que c'est par rapport à votre famille? Ça va vous rendre instable d'annoncer à la famille? Peut-être, c'est peut-être ça parce que vous divorcez. En tous les cas, une fois que vous serez divorcé, vous serez tranquille. En tous les cas, je n'ai pas trop d'impact concernant la procédure de divorce. Vous serez contente d'avoir divorcé et peut-être que vous voulez carrément prendre la poudre d'escampette. Et on parle de victoire, donc il y aura un nouveau départ. Mais il y a une petite instabilité, là, côté familial, bon, c'est normal. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on nous parle de projet avec cet homme, avec cette femme avec qui vous êtes en triangulaire, on nous parle de choix. Alors, est-ce que pour vous, ces projets qu'il a pour vous, que vous avez ensemble, peut-être que ça vous fait peur un petit peu, donc vous hésitez, vous marchez sur des œufs, vous avez le choix de dire oui, vous avez le choix de dire non. À un moment donné, en tous les cas, votre relation, elle est protégée, mais on voit qu'il y a une situation de peut-être de dire... à votre famille ou avec ou lui, à sa belle-famille, s'il se confie ou à elle, si c'est côté féminin, ça va peut-être la rendre instable dans le domaine familial. On vous demande de prendre la parole par rapport à cet homme, à cette femme concernant cette triangulaire, donc de vous imposer, de dire les choses, mais en tous les cas, cet homme ou cette femme vous aime, il y a de la joie, il y a une très belle ouverture, on nous parle surtout de victoire. En amour, hein, ça c'est pour tout le monde, pour tous mes amis cancer, pour ce mois de mars 2022, mais il n'y a pas de problématique. Alors peut-être que c'est une personne que vous avez connue dans votre passé, hein, et donc voilà. Ensuite, et on termine pour celles qui attendent le retour de l'ex, mes amis cancer, on nous parle de projet, hein, la personne, on a le boomerang, là c'est sûr que lui il revient ou elle revient, c'est confirmé, c'est perçu comme un cadeau de la vie, on vous dit que vous allez être tranquille, mais la famille ne sera peut-être pas trop d'accord. Alors c'est pas méchant. Et c'est pour ça que je vais vouloir la recouvrir. Hein. On a cette carte d'instabilité, vous hein, voyez, elle est là. Mais ce n'est pas méchant, mais c'est la famille qui se tracasse. Chose qui est normale, mais à un moment donné, il va falloir vous imposer. Mais on parle de victoire, hein. L'amour est là, cet homme ou cette femme qui, de votre ex. Hein. Et on a cette carte de boomerang, bah, oui. Il vous kiffe, il vous love. Ah, c'est de l'instabilité vis-à-vis des amis. Ils ne vont pas comprendre, vous voyez. Et ça, c'est pour tout le monde. Un petit peu d'instabilité. Ce n'est pas méchant, vous voyez, la carte de l'amitié, là, ce n'est pas méchant. Allez, on va regarder confirmation avec monsieur l'oracle de la Sibylle. Allez, c'est parti. Monsieur l'oracle de la Sibylle, voyez, une situation qui prend fin. Faites attention, il y a quand même des pièges. On a quand même ce 3 de pique. Alors, le 3 de pique, c'est vrai que
Ils nous annoncent des choses qui sont retardées, repoussées, mais ce sera pour mieux vous retrouver. Ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec le passé. Hein. Donc faites attention, pour vous, ça peut être un piège. Peut-être que vous êtes toujours amoureuse de votre ex, etc. On voit qu'il y a une situation de fin, donc peut-être le retour. Hein. Ça peut être un piège pour vous, vous sentir piégée. C'est pour ça que vous allez, on avait cette carte de choix tout à l'heure. Hein. Donc on vous dit, voyez, la tendresse. Donc là, pour vous, on vous dit que cet homme ou cette femme qui reviendrait dans votre vie ou cette nouvelle rencontre, vous avez peur d'être piégée. D'accord ? Mais on vous dit de ce 3 de pique que vous retardez quand même les choses, vous repoussez. D'accord ? Mais il va falloir y aller. Hein. La fin des problématiques arrive. La fin du stress, de cette instabilité. Allez, on va regarder tout ça, mes amis Cancer. Bon, on a des ennemis, mais vous me direz qu'il n'en a pas. On vous dit la dame qui fait les cartes, donc peut-être vous vous renseignez auprès d'une voyante, d'une médium par rapport à cet homme ou cette femme. Peut-être que c'est lui, hein, puisque là, c'est le consultant, la consultante. On nous parle de réconciliation. Hein. Alors pour certains, vous pouvez retrouver quelqu'un, hein, le retour d'un ex. On nous parle d'absence. On a un 6 de carreau. Alors le 6 de carreau, lui, on nous parle d'une situation qui se débloque. Signature de contrat, donc là, c'est bon. Donc là, vous voyez, vous êtes inquiète et inquiet. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être peur, parce que peut-être que cet homme ou cette femme a des ennemis. En tous les cas, il en a. On nous parle d'un 6 de trèfle. Alors, le 6 de trèfle, ça nous parle de quoi ? Lui va nous parler de ne pas... Vous n'êtes pas concentré vraiment sur l'avenir. Vous prenez vos distances, vous prenez votre temps. Et cet homme ou cette femme va devoir résoudre ses problèmes s'il en a ou elle en a. Comme je vous le disais tout à l'heure dans Monsieur le jeu de 32, il y avait cette dame de carreau. Hein. Faites attention. Hein. Ça peut être une ex à lui, hein, où il est en train de régler ses problèmes. On nous parle d'un 7 de cœur. En tous les cas, cette personne pense à vous. Vous pensez à lui. Et je n'ai pas de problématique. Je vais juste recouvrir l'ennemi. On va regarder tout simplement, quoique... Allez, hop, réconciliation, voyez. Donc peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un qui va essayer, son ex essaye de, son ex féminin ou masculin, essaye de revenir vers lui, de retenter sa chance. Mais non, il vous aime, il vous kiffe, il vous love. Mais cette personne-là est présente. Hein. Allez, on termine avec Monsieur Papus. Ouais. On nous parle d'un 5 d'épée, on nous parle de perte. Alors le 5 d'épée, lui, va nous parler de conflit, de dispute. Attention au ragot, la méchanceté des gens, d'accord. Faites attention. Ouais, on nous parle d'inquiétude. Vous voyez, vous êtes inquiète et inquiet. Restez tranquille, mes amis Cancer, ça va aller. Ça va aller. Si c'est dans le domaine sentimental, ça va aller. Allez, on y va. On a le diable. Bon, il est à l'envers, tant mieux. Alors, le diable, lui, il nous parle de situation, quand il est à l'endroit comme ça, on nous parle de situation malsaine, de faire attention autour de vous. Donc là, vous faites attention autour de vous. Mais là, alors, on nous parlerait d'un signe du Sagittaire. Et d'un signe du scorpion pour certains et certaines. Alors, soit vous avez des ennemis sagittaire et scorpion, soit c'est par rapport à votre personne ou c'est lui hein, qui a des ennemis, lui ou elle. Et là, on a un roi de bâton, il est à l'envers, mais peu importe. Donc, le roi de bâton, c'est une personne qui est créative, qui est droit dans ses bottes, qui agit vite, c'est un passionné et on vous dit qu'il vous kiffe. Hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Hein. Peut-être que vous avez des collègues, faites attention. Collègues, peut-être sagittaire ou scorpion, méfiez-vous. Et là, qu'est-ce qu'on a, mes amis Cancer? On a un valet de denier, on vous dit un présent, on va vous offrir un cadeau, on va vous offrir quelque chose. Ce 4 de denier nous apporte la stabilité, le contrôle des finances. On peut nous parler d'une personne radine hein, ou une personne qui ne s'exprime pas, peut-être un signe du mois de janvier, mes amis Cancer. C'est une personne que vous connaissez ou vous avez connue dans votre vie ou vous allez connaître. C'est beau. On nous parle d'un valet de denier, on continue dans les deniers. On nous parle de passion amoureuse, de passion. On part à l'aventure, on a des opportunités dans le domaine professionnel, même dans le domaine sentimental. On construit ce que l'on veut. Là, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Vous allez faire ce que vous voulez, mes amis Cancer, pour ce mois de mars. Vous avez la volonté et on vous dit d'y aller, de foncer. On a la dame d'épée. Alors, la dame d'épée, elle nous parle, elle est à l'endroit, nous parle d'une personne intelligente, honnête, dureté. Elle peut paraître froide, dure, mais vous pouvez avoir confiance en elle. Donc, c'est une personne qui pourrait représenter une femme d'action. Ça peut vous représenter, vous, messieurs, ou vous, mesdames. Hein. Et on nous parle d'économie. Alors, pour certains et certaines, amis Cancer, peut-être que vous êtes en train de faire des économies. Peut-être vous vouloir vous mettre à votre compte. En tous les cas, vous faites attention à l'argent. Et on nous parle donc d'un 4 d'épée, lui, qui est à l'envers. Et le 4 d'épée, lui, quand il est à l'endroit, lui, il nous dirait plutôt de repos, de guérison, de solitude. On se pose, on laisse faire les choses. Et là, pas du tout. Là, vous allez foncer, je vous ai dit. Hein. Et là, on nous parlerait d'un signe peut-être dans le domaine sentimental du mois d'octobre, mes amis Cancer. Donc, vous foncez par rapport à une relation. Vous foncez dans le domaine professionnel ou vous foncez par rapport à vouloir vous mettre à votre compte. En tous les cas, tout ce qui était obstacle, vous allez
tout défoncé. Eh bien, c'est parfait, mes amis cancers. Donc voilà, j'espère que ce tirage général et sentimental pour ce mois de mars 2022, mes amis cancers, vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, protégez-vous. Et on se retrouve donc pour le mois d'avril 2022. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love et je vous adore. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.